Eh bien, rebonjour et début donc de ces internationaux de France 1987 avec sur le central dans quelques minutes une partie entre deux femmes. Favorite du tournoi premier tour, et au premier plan sur la France, Steffi Graf, elle sera opposée à Sila Tchirespi, qui s'appelait Chila Bartos avant, qui était de nationalité hongroise et qui est devenue suissesse depuis son mariage. Une joueuse dont nous reparlerons dans quelques instants. Steffi Graf, RFM. Elle est la favorite des internationaux de France. Je pense que dans un instant, nous aurons sa fiche d'identité. Elle est allemande, elle a 18 ans, elle est classée deuxième joueuse mondiale. Qui a choisi de servir. Et favorite, je vous le disais il y a un instant, de ces internationaux de France. Ses derniers classements à l'ATP, au classement WITA plus exactement, classement correspondant au classement ATP chez les messieurs. Fin 86, elle était troisième, elle est deuxième aujourd'hui, mais une progression constante. 98e en 1983, 22e en 84, 6e en 1985, 3e à la fin de l'année dernière. Elle est aujourd'hui 2e et elle a enchaîné une série de succès en tournoi. Elle n'a pas connu la moindre défaite. Elle sera légitimement la favorite de ces internationaux de France. Chila Tchirespi, la voici. Hongroise de naissance, suissesse aujourd'hui, elle a 21 ans, elle est classée 84e joueuse mondiale. Et ce n'est pas une très bonne chose pour elle que de rencontrer dès le premier tour Steffi Graf, la favorite du tournoi. Une évolution au classement WITA, elle était 167e en 84, 97e en 83, elle avait donc constamment baissé, depuis elle amorce une certaine remontée, 150e fin 85, 109e à la fin de l'année 86 et aujourd'hui 84e. Début donc de cette rencontre entre Steffi Graf et Chila Tchirespi, Graf au service. C'était prendre 40 ans. Balls out.
Avantage, mademoiselle Graf. Jeu, mademoiselle Graf, premier jeu. Et bien malgré un premier jeu un peu laborieux, Steffi Graf ayant commis à son avis deux ou trois erreurs tactiques, puisque une fois, vous l'avez vu, elle aurait pu terminer son point en alignant son coup droit le long de la ligne, elle a joué croisé, l'autre fois elle a joué trop court. C'est un premier jeu qui est tout de même remporté par la jeune Allemande qui, comme vous le disiez Hervé Dutu tout à l'heure, est la favorite numéro 1 de ce tournoi. Quoique Martina Navratilova, Chris Evert-Lloyd et mademoiselle Mandlíková n'ont pas encore dit leur dernier mot. Il faudra vraiment que Steffi Graf et la demoiselle Sabatini fassent parler leurs armes comme sur ces derniers tournois pour arriver au bout de leurs anciennes adversaires. Et ce premier tour qui s'engage finalement relativement bien pour Steffi, puisque c'est un tour assez facile, va nous donner tout de suite la mesure de ses moyens. Vous allez regarder comme nous la vitesse à laquelle circulent les balles de cette jeune championne allemande. Au service, Chila Serespi. Elle n'a pas intérêt, mademoiselle Serespi, à chatouiller trop le coup droit de Steffi Graf, assurément l'arme absolue chez la jeune Allemande de l'Ouest. Second service. Mademoiselle Graf. Et malheureusement pour Chila Serespi. Break d'entrée réussi par Steffi Graf, qui ne devrait pas être inquiété outre mesure au cours de cette rencontre. Jean-Paul Lotte vous le laissait prévoir il y a un instant. Il
La seule chance de cette jeune joueuse suisse serait de pouvoir prendre la balle de Steffi Graf très tôt. Mais prendre la balle de Steffi Graf très tôt demande des qualités exceptionnelles qui sont du niveau de la jeune Allemande. Quel coup de fusil, aussi bien le long de la ligne que des croisés. Vous voyez sur ce ralenti comment Steffi Graf a attaqué tôt après le rebond et fusillé son adversaire. Magnifique. Jeu blanc pour Steffi Graf. Qui a considérablement progressé au service au cours de cette dernière année. Et nous vous le disions en début de reportage, elle est forte de 6 succès, 6 victoires consécutives en tournoi sur le circuit. Boca Raton, Key Biscayne, Hilton Head, Amelia Island, Rome et Berlin. Avec des victoires au passage sur Navratilova, Chris Evert, Gabriela Sabatini, c'était il y a 15 jours à Rome. Claudia Kodekilch, Manuela Maleva et Anna Mandlikova, c'est dire que cette jeune fille a absolument battu tout le monde sur le circuit international et qu'elle a inventé un nouveau jeu féminin, on peut le dire, au même titre que Billie Jean King et que Yvonne Goolagong avait été à l'aube d'une nouvelle technique de jeu féminine sur terre battue, à savoir des montées au filet. Eh bien, Steffi Graf a inventé elle-même une technique bien particulière. Elle se rapproche de plus en plus, Jean-Paul, du jeu masculin. Elle est dans le tennis masculin, tout en restant très gracieuse. Il faut bien le reconnaître. Deux balles. Bien rattrapée du bout de la raquette, une course en avant un tout petit peu tardive de Steffi Graf, mais elle s'est arrachée. Elle s'est totalement allongée sur la fin du coup. Tout ce qu'elle pouvait donner, là, la balle n'est effectivement pas doublée. 40-30. Mmh.
faute. Je. Elle est faute et premier jeu pour Tila. Mademoiselle Serépy mène 3-1 en faveur de Steffi Graf. Les seuls petits problèmes que pourrait éventuellement rencontrer Steffi Graf dans les premiers tours seront des problèmes de concentration. Je crois, Hervé, qu'elle n'en rencontrera pas, car généralement dans les tournois et dans les premiers tours, elle flanque des raclées à ses adversaires, ne laissant que très très peu de jeu. C'est des scores du type de 6-1-6-1, 6-1-6-0, 6-2-6-1, dans pratiquement tous les tournois qu'elle a gagnés ces derniers temps. Et 6 tournois d'affilée, vous l'avez dit, c'est énorme. Steffi Graf. Et pourtant, mademoiselle Serépy avait anticipé du bon côté. Tout y passe, le coup de poignet pour jouer la balle croisée. Je, mademoiselle Graf. Et 4-1 dans la première manche en faveur de Steffi Graf. Partie commencée depuis 15 minutes. La différence de niveau est d'autant plus sensible, Hervé, que nous venons de voir le tableau des autres scores sur les autres cours et le maximum de jeux atteints, c'est 2-3. Alors que Steffi Graf en est déjà à 4-1, tout le monde ayant commencé au même moment sur tous les cours, ici à Roland-Garros, à 11h du matin, précisément. Steffi Graf, vous le disiez tout à l'heure, a progressé au service également. Sa première balle est de plus en plus lourde, de plus en plus longue. Mais ce qui m'impressionne là, aujourd'hui, plus particulièrement, c'est la vitesse à laquelle elle joue la balle derrière le rebond, avec un placement toujours impeccable et la balle qui va infiniment vite aux grandes dames de son adversaire. Et par la grâce des techniciens de la Société Française de Production et de notre réalisateur Gérard Vandergut, vous avez pu voir un panoramique du central de Roland-Garros, pas encore plein à l'heure qu'il est, mais cela ne saurait tarder car s'il reste quelques places à vendre au jour le jour dans les gradins, la plupart des billets ont été d'ores et déjà vendus. Oh. 0-15. De balle. La moindre balle courte de Tila Serépy, c'est la punition immédiate en coup droit, car l'Allemande de l'Ouest a tout le temps de tourner son revers, qu'elle joue la plupart du temps coupé, et de frapper en coup droit. À nouveau.
nouveau ce fameux coup droit tourné. Alors là, vous allez pouvoir observer un peu ce qu'il ne faut pas faire en service chez mademoiselle Tcherepi, qui, lorsque, voilà, Steffi Graf qui va allonger une nouvelle fois son coup droit merveilleux. Mademoiselle Tcherepi qui, lorsqu'elle sert, va casser le buste en avant sans rentrer dans le court. Et généralement, elle sert une balle trop courte dans le filet. On peut en plus observer qu'elle a un poignet extraordinairement allongé vers le bas, ce qui n'est pas très bon non plus au début d'un service. Systématiquement mademoiselle Graf. Par le jeu et la technique extrêmement complète de Steffi Graf. Et 5 jeux à 1 en 19 minutes en faveur de Steffi Graf, l'Allemande de l'Ouest servant maintenant pour le gain de la première manche. Bien dommage car Steffi Graf une nouvelle fois avait anticipé du bon côté, c'est tout le secret et la qualité des super grands joueurs. Balle de 7. C'est formidable. Tel un homme monté à contre-temps, c'est-à-dire jouer dans le dos de l'adversaire au moment où mademoiselle Tcherepi jouait une balle haute. Steffi Graf, ayant masqué ses intentions, est venu au filet, a pris cette balle de volée, ne laissant aucune chance à la Suissesse. Et nouvelle balle de 7.
Mademoiselle Graf. Et première manche remportée donc par Steffi Graf sur le score de 6 jeux à 1 en 23 minutes. Et Steffi Graf, vous avez pu le voir sur le dernier échange, profite également d'un revers coupé qu'elle a fait progresser puisque la balle est à présent plus longue, plus tendue, plus rapide, ce qui met son adversaire là aussi en difficulté pour permettre à l'Allemande par la suite de mieux asséner ses formidables coups droits qui, Hervé vous l'a dit à plusieurs reprises, sont joués tels que les hommes les jouent. Et Steffi Graf qui a pris comme coach l'ancien joueur tchécoslovaque Slozil, partenaire de Thomas Smith, dont tout le monde connaissait la qualité de coup droit. Bien Steffi Graf, je peux vous le dire, nous l'avons vu à l'entraînement, a un coup droit qui circule plus vite que celui de son entraîneur, Pavel Slozil, et ce n'est pas peu de choses. Cette jeune Allemande de l'Ouest qui était entraînée jusque-là par son père, Peter Graf, qui le suivait dans tous les tournois et qui a voulu donner une dimension supérieure à sa fille en lui adjoignant donc Pavel Slozil comme sparring partner, plus que comme entraîneur d'ailleurs. Monsieur Graf intervenant toujours dans les détails de l'entraînement et du programme de sa fille. 15-0.80% de première balle passée par Steffi Graf contre 48% à Mademoiselle Tchirepi. Il faudrait que la Suissesse serve beaucoup mieux en cherchant plus la longueur que la frappe de balle pour gêner Steffi Graf. Oh, la mauvaise course en avant. 30 ans. Elle n'a pas du tout démarré, Mademoiselle Tchirepi. Car là, elle aurait pu, à son tour, asséner un coup droit à son adversaire. Encore une faute de bascule de buste et de trop de relâchement de poignet chez cette demoiselle suisse. Thank you.
Avantage, mademoiselle Cherepi. Et à ce niveau aussi, quand on ne se place pas suffisamment de profil et quand on n'avance pas sur la balle, ça fait des fautes dans le bas du filet. Remarquablement masqué. Égalité. Et le fait que Chila Cherepi ait quelques difficultés dans son jeu de jambes, dans son ajustement, n'a pas échappé à Steffi Graf qui immédiatement distille un amorti au bon moment. Avantage, mademoiselle Cherepi. Égalité. Sans doute son point le plus faible à Chila Cherepi, son jeu de jambes, aussi bien son jeu de jambes latéral que son déplacement d'arrière en avant. Je, mademoiselle Graf. Premier jeu, deuxième manche. Quelques fautes de temps en temps de la part de Steffi, qui à deux reprises est resté un peu plus loin derrière la ligne de fond de court, à 3 ou 4 mètres, alors que généralement elle joue très à l'intérieur de la ligne de fond de court, plutôt entre cette ligne et celle de service. Et Steffi doit cela à quelques petits instants de déconcentration, comme sur cette balle qu'elle pensait bonne et que l'arbitre a jugé, elle l'a pensée faute, pardon, l'arbitre l'a jugé lui bonne. Cela fait faire quelques points à son adversaire de temps en temps, mais les jeux n'échappent pas à la jeune Allemande. Elle mène 6-1, 1-0 et le score inexorablement va aller vers une sorte de petite raclée. C'est un peu dommage pour Chila Cherepi, mais enfin, on fait ce qu'on peut en face d'une telle adversaire. Oh. 15-0.
Eh oui. 3-0. Bien joué Stéphie, encore une fois, cette fois-ci avec un revers frappé légèrement recouvert qui prend à contre-pied son adversaire qui est revenu un peu tard vers le milieu du court dans son remplacement. Deux jeux à zéro. Puisque neuf jeux ont été disputés, les joueuses changent maintenant de balle. Après quoi, les changements s'effectueront tous les sept jeux. Tous les onze jeux, plus exactement. Alors que les choses vont mal pour Marie-Christine Calleja. Sur un des cours de Roland-Garros, elle affronte l'Argentine Bettina Fulco. Elle est menée pour l'instant 6-0, 1-0. Quant à Olivier Delettre, qui affronte l'Autrichien Horskov, il est mené 4 jeux à 3 dans la première manche. Très en retard là encore dans son ajustement des pieds, Chila Chirepi. Thank you.
40 ans. Avantage, mademoiselle Cherry. Steffi Graf maintenant dans la deuxième manche après avoir remporté le premier set sur le score de 6-1. Quelques petites fautes là de la part de la jeune Allemande de l'Ouest, mais qui ne saurait en rien masquer la différence qui existe entre ces deux jeunes filles, qui donne en tous les cas une bien belle image du tennis féminin dans cette rencontre d'ouverture des internationaux de France. Alors que sur les cours annexes, un premier tour oppose Johan Krik, tête de série numéro 16, demi-finaliste l'an dernier, surprise de ces internationaux de France, à Joachim Nyström, qui a considérablement rétrogradé au classement de l'association des tennismen professionnels depuis le début de la saison. Match extrêmement disputé et pour l'instant, Johan Krik mène dans la première manche par 5-4. Alors que les choses ne s'arrangent pas pour Marie-Christine Calleja, menée par Bettina Fulco, l'Argentine, sur le score de 6-0, 2-0. Quant à Olivier Delettre, il est mené maintenant 5-4 dans la première manche par Horst Skoff, l'Autrichien. Steffi Graf, 3-1 dans la deuxième manche, 43 minutes de jeu.
depuis le début de cette rencontre. Et toujours le même scénario, une plus grande vitesse de balle, une plus grande stabilité. Et les jeux s'accumulent. Deux balles. Elle est celle-ci là, elle essaye de couper la cadence en montant des balles un peu liftées au milieu du court, assez hautes, mais Steffi Graf est trop solide pour s'y laisser prendre. Jeu Steffi Graf qui mène maintenant 4 jeux à 1 dans la deuxième manche, alors que sur les autres cours, je vous signale que dans la rencontre qui oppose Nyström à Krik, Joachim Nyström mène maintenant par 6 jeux à 5 dans le premier set, que rien ne va pour Marie-Christine Kaléja, menée 6-0, 4-0 contre Bettina Fulco, l'Argentine. Et Olivier Delettre vient de perdre la première manche, le Français, face à l'Autrichien Horst Skopf. Révélation au tournoi de Monte-Carlo sur le score de 6 jeux à 4. Voilà en tous les cas une partie bien commencée pour Steffi Graf qui devrait se qualifier pour le deuxième tour de ses internationaux de France sans trop de problèmes, Jean-Paul. Absolument. Mais cela était prévisible. Et les autres tours se joueront très probablement de la même façon, c'est-à-dire une Steffi Graf qui va gagner relativement facilement ses matchs jusqu'à ce qu'elle rencontre une adversaire de son niveau, c'est-à-dire faisant partie des têtes de série. 15-0. Elle sait tout faire, y compris l'enchaînement service volé sur terre battue. 0. Avec une première volée très longue. Pote. Bonjour. Deuxième balle de service donc. Ah, il y a un très beau plan de Gérard Vandergut.
45-40-15. Bien réduit sa préparation sur ce dernier coup droit, Steffi, car elle était montée très très près du filet. Et la balle après le rebond l'a un peu surprise, mais elle a su ajuster ce qu'il fallait. Voilà, petite réduction de préparation, avancée dans la balle et encore une fois prise de vitesse. Chila Cherepi. Nouvelle montée à contre-temps, mais volée manquée par Steffi Graf.